فهمو دونك كيف كيف العاده قبل ما نبداو شي حاجه توجور نتراسيو الطريق دونك نعرفو توجور لو شومان اللي حنا غاديين فيه مزيان دونك سي ان كور دونك ديزون 100% تيوريك دونك اشنو هو كيفاش انا جو في ميتريزي هاد لو كور خاصني ندير ان بوتي ريزومي ديال لي برينسيبال ايدي اللي غناخد ا بارتير من واحد لو تيكست فوالا كاينين دي زيليمون دي تيكست بيان سور كو جو ديري ا ايفيتي في هاد لو كور بوركوا حيتاش ابخي غتنساهم يعني ماشي 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 يعني ما غاديش يعاونوك في لا بريباراسيون ولا بوغ افوار اون بون نوت دونك هنايا الفو بروندر سكي اسونسييل فوالا الوغ خاصكم ديروا ان ريزومي ديال لا ماتيير دونك نقراو اونسومبل اون ديسكوت ابخي لا سيونس ولا دومان ماتان كل واحد فيكم يكتب ديك لا بارتي ماشي تخليها تا نجيو عاوتاني نديرو لا دوزيام سيونس عاد تفكر لا خصني ندير قبل ما تنسى دوك لي زيدي برينسيبال كتبهم دي فليوريسون ديك لي كرايون كولور كوم سا دونك ابخي باش فاش تجي لو دوزيام شابيتر دونك كتلقى الفو جوست فوار ولا ريفيزيتي هذاك لو ريجيم الوغ نوتر بلان بور سيت ماتيير Alors, notre plan pour cette matière. Donc, il y a le chapitre 1. Le chapitre 1, c'est sous l'intervention publique. L'intervention publique. C'est-à-dire, fais-je qu'un goulot intervention publique. C'est-à-dire, l'intervention de l'État. L'intervention de l'État. Donc, les fonctions ou là, la dimension économique. Elle est. Donc, la première question, pourquoi l'État doit intervenir? Les différentes théories qui traitent le problème. L'intervention, le non-intervention de l'État, l'intervention de l'État. Donc, ce sont des théories, je dirais, libérales, keynésiennes. Donc, il faut mettre la lumière à l'aide les deux courants. Ça marche? Et après, voir les différentes fonctions de l'État. Donc, يعني كاع شنو هو الدور ديال ليطا دونك و لي ديفيرونت فونكسيون ديالها و شنو هو الدور الايكونوميك ستادير لو رول ايكونوميك ديال ليطا وهذا هو اللي تري امبورطون هذا هو اللي تري امبورطون في لو شابيتر 2 ابري ما كنعرف ليطا كنعرف دونك لي ديفيرونت فونكسيون ديالها و كنعرف بلي انها باغمي لي فونكسيون ديالها هي ان لا جيستيون دي ريسورس فاش كنقولوا جيستيون دو ريسورس ستادير لا جيستيون دي ديبونس اي دي روسيت دونك فاش كنقولوا روسيت كاينين بارمي هاد لي روسيت فيسكال ستادير لي امبو دونك شابيتر 2 فيه تو سكي اي امبو او بيان تو سكي اي روسيت فيسكال من يعني جو ديغي لي ديفينيسيون لي ديفيرونت كاتيجوري ديال باردون دونك لي ديفيرونت كاتيجوري ديال لي امبو ا سافوار لي امبو ديريكت لي امبو انديريكت Et après, donc, nous avons le processus, l'accumulation des impôts, et finalement, la répartition. Donc, les impôts, généralement, c'est un instrument pour lutter contre les inégalités. Donc, quand je mets les différents impôts, après qu'un distribuant, donc avec le processus de répartition, et finalement, le rôle de l'impôt. Donc, je n'ai pas un impôt. Le chapitre 3, donc généralement l'impôt c'est pour collecter on peut dire que on peut utiliser l'impôt pour collecter le budget pour faire l'investissement public donc c'est pour cela le chapitre 3 qui est traité à le sujet de l'investissement public donc parce qu'on dit investissement public et croissance économique pour vous aide le chapitre ce n'est pas ma radish ngou zama qu'il n'est pas utile non ولكن ماشي كيما نقول لكم pourquoi حيت هاد لو شابيتر اللي كي تريتي في لوغور بحال قلنا ce n'est pas intéressant علاش n'est pas intéressant parce que انا pour moi ce que je dois maîtriser شنو هو انني نعرف شنو هو انفيستيسمون بوبليك كيفاش كيتيكزيكوت الانفيستيسمون بوبليك شنو علاقه الانفيستيسمون بوبليك بلا كروسونس ايكونوميك شنو هما لي ديفيرون تيوري اللي يقدروا تريتي ولا انفيستيسمون بوبليك ايتترا
Il se peut que la littérature théorique, à chaque fois, certaines théories, les traitants ont de la relation, la liaison, les canaux avec l'investissement public ou la croissance économique. Ou que pour ce qui concerne la littérature empirique, c'est-à-dire les travaux des NES, on chauffe, un modèle, etc., modèle ARDL, celui-là, il a travaillé avec un modèle, par exemple, VAR, donc ça n'a aucun sens pour notre niveau, pour notre cours magistral. Donc, il faut chercher, il faut fournir un peu de l'effort, faire le chapitre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une chauffe, c'est-à-dire chauffe un autre, faire un peu de recherche. Donc, chauffe l'investissement, etc. Donc, pourquoi est-ce que la revue de littérature empirique, ou la littérature empirique généralement fait le cas? L'objectif d'Yali, ce n'est pas pour faire un mémoire ou faire le sujet. Le chapitre 4. C'est les dépenses fiscales. Donc, je dirais que la collecte d'impôts permet de couvrir l'ensemble des dépenses. Donc, aide les dépenses parmi les catégories des dépenses, aide les dépenses fiscales. Alors, faire les dépenses fiscales, je n'ai la fiscalité. Qu'est-ce qu'on veut dire par les dépenses fiscales, bêta, etc. Donc, et après, je dirais, les conséquences d'elle ou le rôle des dépenses fiscales pour lutter contre l'évitement fiscal, c'est-à-dire l'évasion fiscale. Pardon, la relation entre les dépenses fiscales et l'impôt, etc. Donc, a-t-il un traité au fait de la partie ou le chapitre 4. Le chapitre 5, on a la dette publique. La dette publique et l'approche économique. C'est-à-dire quoi? Un chauffe-eau, premièrement, a-t-il la relation entre les dettes publiques et la politique économique, c'est-à-dire à savoir la politique budgétaire. La relation des dettes publiques et des politiques budgétaires. Et finalement, comment la théorie macroéconomique, ou la chna, les différentes théories macroéconomiques, les traitent la dette publique. S'il vous plaît, est-ce que vous avez une question faite de stade? Bien, alors on passe. Donc le chapitre 1, l'intervention publique. Donc la première section, on a l'évolution historique des fonctions de l'État. C'est-à-dire, qui fait l'ensemble des fonctions de l'État, donc dans un ordre chronologique. C'est-à-dire, qui fait, donc, la période des mercantilistes, on va trouver que le rôle de l'État est seulement c'est pour collecter les métaux précieux ou pour garantir la richesse. Donc, il y a la fonction de l'État. Et après, avec les classiques, avec Karl Marx, on a introduit un peu le caractère social, la distribution des salaires, etc. Donc, le Karl Marx, il y a de la dimension sociale. Et après, avec les keynésiennes, la dimension économique, la dimension économique et la dimension sociale. Pourquoi? L'intervention de l'État, c'est pour donc l'intervention de l'État, c'est pour plusieurs raisons. Je dirais lutter contre les inégalités, etc. Donc, ce qui est montré national, qui est montré le rôle de l'État ou les fonctions de l'État s'évoluent avec le temps. Alors, premièrement, alors, l'État, en comptabilité nationale, ou là, généralement, l'administration publique, donc, c'est quoi? C'est l'ensemble des agents économiques, ou là c'est un agent économique, groupant toutes les administrations publiques. Donc, l'agent économique, que je mets là, bzef les administrations publiques. À savoir, donc je lève la comptabilité nationale, que la fonction principale de l'État, c'est pour fournir à la collectivité des services non marchands. C'est-à-dire que ça a des services, les homo marchands. Les services non marchands, qui sont gratuits, gratuit. Il y a un canot gratuit, c'est-à-dire le prix d'elle qui est représenté
يعني لو بري ديالهم كي ريبريزونتي 0% في لو كو ديال التوتال ديال لا برودكسيون. بار كونتر الا كان لو كازي غراتوي ستادير كو لو كو كي ريبريزونتي او موان 50%, ستادير انفيريور ا 50% ديال لو كو دو برودكسيون. دونك فوالا لا فونكسيون برينسيبال دو ليتا سي بور فورنير لي سيرفيس نو مارشون ا لا كوليكتيفيتي اي اوسي بور ريديستريبيي لي ريفوني. الوغ ا روتونير في هاد هاد لا بارتي كو الله يخليك. ممكن تعاود هاد لو بوين الاخر ديال نو مارشون؟ قلنا كو لي سيرفيس نو مارشون سي تادير كنقولو ان سيرفيس نو مارشون يا اما كيكون غراتوي توتالمون ياك يا اما كيكون كازي غراتوي فهمتيني. دونك فاش يكون غراتوي توتالمون ستادير لو بري ديال يعني لو بري ديالو كيكون ستادير كتعطاك 100% يعني كتعطاك ديريكتومون اوترومون ياك. فاش يكون كازي غراتوي لو بري ديالو كي ريبريزونتي 50% ولا واحد لو كو انفيريور ا 50% ديال لو كو دو برودكسيون توتال ديالو. عطيت خد اكزومبل, نعطيك اكزومبل مثلا لا فارين, مثلا لا فارين ولا لو غاز مثلا لو بري ديالو هذيك مثلا 12 درهم ولا 11 درهم ديال واحد البوطات غاز مثلا راه ماشي لو بري ديالو يعني ريال, سي جوست ان بري سوبفونسيوني. هذيك لا سوبفونسيون هي اللي كتخليه كازي غراتوي, كيتسمى كازي غراتوي سا مارش. بار كونتر واحد لو بيان لي واحد لو سيرفيس اللي هو غراتوي مثلا نعطيك ان اكزومبل, مشيتي مثلا للمقاطعه دونك ان سيرفيس باش تكاليزي لي كوبي ديالك سي ان سيرفيس غراتوي. دونك كتمشي كدير ولا كدير عقد زياد اكسيتيرا سي ان سيرفيس غراتوي ما كتخلص عليه والو. الوغ بار كونتر كاينين دي زوطخ سيرفيس اللي هما كازي غراتوي وكاينين دي بيان اللي هما كازي غراتوي سا مارش. Oui, merci. Merci. Alors, à retenir, hein, que l'État yeah, est un agent économique. Donc, il a quand même le courbe. Quand tu trouves un cas fluorescent, je me dirais que c'est un résumé que j'ai que ça. Donc, l'État, c'est un agent économique qui regroupe toutes les administrations publiques yeah, dont la fonction est de fournir à la collectivité, la fonction principale d'IRO, c'est de fournir à la collectivité des services liés non marchands. Ou la deuxième fonction, il y a la redistribution des revenus. La redistribution des les revenus. Ça marche? Alors, la comptabilité nationale, je fais là, l'État ou les administrations publiques généralement, qui sont les catégories. Je fais les administrations centrales, les administrations central, c'est-à-dire l'État central, et il y a Hadi, à savoir les ministères, les banques commerciales, etc. Ou chefna les administrations territoriales ou la locale, les Homa, à savoir les communautés, les Beledia, voilà le mot, etc. Donc, quand il y a les administrations territoriales, c'est qu'il y a un niveau, local. Ou il y a les organismes de la protection sociale. Les organismes de la protection sociale, Darimakil, Amwatani, etc. Donc, quand il y a, ce sont la charge d'Yalhoum, la fonction principale d'Yalhoum, c'est pour protéger. هادوك يعني سميتو سي بور بروتيجي باردون لا كوليكتيفيتي ولا لي سيتويان اوترون. alors pour connaître le poids de l'état dans l'économie on utilise en général deux indicateurs. donc باش كنعرفو لو poids ديال l'état c'est-à-dire quoi باش نعرفو الوزن ديال l'état c'est-à-dire واش هاد l'état c'est-à-dire disons راه elle est très importante ou pas, كنستعملوا دوز انديكاتور. ولكن هاد الانديكاتور جوست او بلان يعني او نيفو ديال الفيونس بوبليك, مي ابري سي دير جينيرالمون لي انديكاتور دو كومباريزون ديال يعني ديال لي ناسيون ولا اكسيتيرا. دونك ماشي هاد لي دوز انديكاتور. ولكن لوغسكو بار دو ليتا, ليتا سني با لا ناسيون, ليتا راه غير اون بارتي دو لا ناسيون. وباش كنديرو يعني باش كنميزورو لو بوا ديال هاد لاجون ايكونوميك اللي هو ليتا, كنديرو جوج ديال لي انديكاتور. Premièrement, le taux de prélèvement obligatoire. Le taux de prélèvement obligatoire. Qu'est-ce qu'il y a du taux de prélèvement obligatoire? C'est-à-dire, quel est le prélèvement obligatoire dans le PIB? Qu'est-ce qu'il y a le prélèvement obligatoire? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, les recettes
اللي خدات الدولة من لي زوطخو زاجون ايكونوميك دونك مي ا كاركتر فيسكال ستادير لي زامبو اوترومون ستادير شحال كيمثلوا هاد لي زامبو من لو بي اي بي توتال سا مارش دونك باش ما كيكون لو باش ما كتكون يعني لا بارتي ديال لي زامبو في لو بي اي بي تري امبورطون سولون جو ديري سولون هاد ليكواسيون باش ما كتكون لا بارتي ديال لو بي اي بي تري امبورطون باش ما كنقولوا كو لو بوا ديال ليتا اي لي تري امبورطون سا مارش دونك لو طو دو بريليفمون اوبليغاتوار كيعطينا لو بورسونتاج ديال لا سوم دي بريليفمون اوبليغاتوار y compris les impôts et les cotisations sociales dans le PIB, c'est-à-dire le rapport entre les éléments ou le PIB fois 100. Pourquoi fois 100? Parce que c'est un taux. Ça marche? Alors, à retenir que pour avoir ou pour déterminer le poids de l'État, on utilise juste des indicateurs. Un indicateur. Ou le taux de prélèvement, le taux de prélèvement obligatoire, le rapport entre les impôts et les cotisations sociales, là le PIB, c'est-à-dire les prélèvements obligatoires le PIB, fois 100, parce que c'est un taux. Après, on a le poids des dépenses publiques, donc le poids des dépenses publiques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un chauffe-eau, le pourcentage des dépenses publiques le PIB. C'est-à-dire, la contribution des les dépenses publiques le PIB. C'est-à-dire, quand les dépenses publiques plus importantes le PIB, le poids de l'État est très intéressant. C'est-à-dire, grâce l'État autrement, dépenser le poids de l'État est très important. Les dépenses publiques, alors il y compris plusieurs éléments. Donc les dépenses d'équipement, les dépenses d'exploitation, c'est-à-dire les dépenses qui sont liées à l'activité principale, et les dépenses de la dette. Ça marche? Donc le poids des dépenses publiques, c'est le rapport entre les dépenses publiques ou le PIB. Autrement, combien il représente les dépenses publiques, le PIB total, c'est-à-dire le produit intérieur brut. Voilà. Donc la deuxième équation à retenir, il y a le poids des dépenses publiques. Ça marche? S'il vous plaît, une question, faites le stade. Pas de question? Ok. Alors, jusqu'à maintenant, on a dit que l'État, c'est un agent économique pour deux fonctions principales. Les HOMA, c'est la première fonction, c'est de fournir des services de marché à la collectivité. Deuxièmement, c'est pour assurer la bonne distribution des revenus. Yek. On a dit le deuxième point, on a dit que l'État comprend trois éléments, c'est-à-dire l'administration publique en général comprend trois éléments. L'État central, c'est-à-dire les administrations centrales, à savoir les ministères, les banques centrales, etc. Les collectivités locales, les collectivités territoriales, les HOMA, les communautés, etc. Les organismes de la protection sociale, la troisième catégorie. Que pour connaître le poids de l'État, on utilise, c'est-à-dire dans le circuit économique ou dans l'économie, qu'un simple, juste les indicateurs. Le premier indicateur, ou le taux de prélèvement obligatoire, l'objectif maintenant, c'est de savoir le pourcentage des prélèvements obligatoires sur le PIB, c'est-à-dire les recettes fiscales. Autrement, je ne sais plus les recettes fiscales le pourcentage de la totalité des PIB. Donc, puisque c'est un taux, 100,
Le deuxième indicateur, c'est le poids des dépenses publiques. C'est-à-dire, ce les dépenses publiques d'un État, pardon, de l'État, le PIB. C'est-à-dire, donc, la fraction ou le rapport entre les dépenses publiques et le PIB. Alors, on a dit que le taux de prélèvement obligatoire, c'est la somme des prélèvements obligatoires, y compris impôts, cotisations sociales, sur le PIB fois 100. Alors, la question qui se pose, qu'est-ce qu'on veut dire par impôt et qu'est-ce qu'on veut dire par une cotisation sociale? Donc, je n'ai qu'un goulot d'impôt ou je n'ai qu'un goulot, je n'ai qu'un même impôt, je n'ai qu'un une cotisation sociale. Alors, l'impôt, c'est un versement monétaire requis par des personnes physiques ou morales par voie d'autorité à titre obligatoire et définitif, sans contrepartie spécifiée, et ayant pour but de la couverture des dépenses publiques. Une définition à chauffer de l'impôt. Donc, l'impôt, c'est quoi? Donc, on va oublier les détails de la définition. Il y a le versement monétaire requis par des personnes physiques ou morales, par voie de qui? Par voie d'autorité, à titre obligatoire, donc ce n'est pas non, c'est un élément obligatoire et définitif. Voilà, et définitif, sans contrepartie. Il a خلصي واحد l'impôt, mais tu n'as la contrepartie d'hier. يعني مثلا واحد خلص مثلا الياس ما يتسناش انه يشد عليه اون كونتربارتي يقول لي مثلا لا انت خلصت الياس بزاف اجي نعطيوك مثلا واحد سميتو نو دونك الياس سي واحد امبو او كي دي امبو سادير سي ان بريليفمون سون كونتربارتي اي ايون بور بوت دونك لوبجي دو l'impôt en général, c'est pour la couverture ou là pour couvrir les dépenses publiques. Donc, quand je me lis impôts comme des recettes fiscales, ben, je vais faire comme des dépenses. Voilà, c'est un circuit. Et donc, les dépenses d'équipement, les dépenses de fonctionnement, les dépenses de la dette. Et donc, les dépenses, qu'aiment autrement les entreprises comme des subventions, qu'aiment des personnes physiques comme des subventions, comme des prestations, etc. Donc, ce sont généralement pour les autres agents économiques, ce sont des flux entrants. Donc, les flux entrants, et après une année, comme impôt. Donc, voilà, c'est un circuit. Donc, l'impôt, c'est un versement monétaire requis par des personnes physiques ou morales, comme les personnes physiques ou la personne morale. Parce qu'on dit que personne morale, donc, fait le droit qu'on dit. الحقوق كنقولوا الاشخاص الماديه والاشخاص المعنويه. فوالا شخص معنوي اون ايكونومي ولا في هذا لو ستاد هذا هما لي ديفيرون تيب ديال لي سوسيتي سوسيتي انونيم سوسيتي ريسبونسابيلتي ليميتي اكسيتيرا. دونك هادو كيتسموا بلي بيرسون في مورال باردون لي بيرسون فيزيك هما اشخاص الاشخاص الماديه. دونك مثلا شخص فرد مثلا حنايا باغ فوا دوتوريتي يعني عن طريق سلطه et à titre obligatoire, donc elles sont obligatoirement et définitif sans contrepartie, donc elles sont blâ de la contrepartie spécifique, mais j'ai un contrôle donc un tissage et ayant pour objet de couvrir les dépenses publiques. Donc toujours l'objet, le but de l'impôt ou un la couverture des les dépenses publiques. Et là, maintenant l'impôt marqué comme des dépenses ou là maintenant les dépenses. Donc, ça va bloquer l'économie. Yani, ma gadiش يكون عندنا واحد le fonctionnement, ma gadiش يكون عندنا investissement, ou ma gadiش يكون عندنا واحد le remboursement de la dette. S'il vous plaît, واش عندكم une question في هذا الستاد؟ L'impôt بعدا كيتكلاصا parmi les recettes fiscales. Donc, les recettes publiques, عندنا les recettes fiscales, les recettes non fiscales, ou les recettes d'emprunt. Les recettes fiscales, c'est-à-dire les entrées de l'État, يعني داكشي اللي كتدخل الدولة à titre d'exemple, داكشي اللي كتدخل l'État, mais par voie, يعني واحد la voie non fiscale, يعني واحد la voie non fiscale. Par contre,
لي غوسيت فيسكال، داكشي اللي كتدخل الدولة اترافير لي زامبو، يعني عن طريق لي زامبو، اسافوار لي اس، لي ار، لا تي في ا، لي دروا ديوان، اكسيتيرا. دونك اي ابخي لي غوسيت دومبران، دونك داكشي اللي كتدخل الدولة على شكل لي زومبران، او بخي مثلا دو لو فون موليتير انترناسيونال، او بخي اون بخا مثلا على الانتر ولا في الانتيريور ولا اون بخا على الاكستيريور. سا مارش. هاد لي غوسيت كتعطيهم الدولة كوم دي ديبونس، دونك هاد لي غوسيت لوبجيكتيف برانسيبال ديالهم سي بور كوفغيغ لي ديبونس. هادوك لي ديبونس اوسي فيهم ثلاثة ديال لي كاتيجوري، لي ديبونس دو فونكسيونمون à savoir la rémunération salariale, les dépenses de consommation, etc. Donc, fais-je qu'on goûte les dépenses de fonctionnement, qu'est-ce que c'est le fonctionnement, les charges d'exploitation, la comptabilité générale. Les charges d'exploitation, les charges de l'entreprise, l'activité principale, les dépenses de fonctionnement, les dépenses qui sont liées à l'activité principale, l'activité principale, autrement, de l'économie. Ça marche? Deuxième catégorie, les dépenses publiques, les dépenses d'équipement. Fait qu'on coule équipement, c'est-à-dire l'investissement. Donc, les dépenses pour but d'augmenter son capital. Donc, l'objectif, les dépenses, mais c'est l'investissement, augmenter le capital. Comme exemple, la construction de la faculté d'économie et de gestion, c'est une dépense de quoi? Dépense d'investissement. Ou une dépense d'équipement. C'est-à-dire, les infrastructures, les bénéficiaires. Donc, le bilan technique, après, c'est une augmentation de capital. Donc, le bilan technique, on a des étudiants chercheurs, etc., des ingénieurs, etc. Donc, la création de capital. Création de capital, mais c'est capital physique, ou c'est un capital humain. Ça marche? Donc, la deuxième catégorie, les dépenses publiques, il y a trois catégories. Les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, les d'investissement, et finalement les dépenses de la dette qui m'affle les recettes dans les recettes d'emprunt d'abord les dépenses de la dette avec les recettes d'emprunt les entrées les dina comme des emprunts je leur sens des lombres sans rembourser donc je rembourse qui rejoint dina comme une dépense donc qui rejoint de l'état comme une dépense mais je peux rejoindre le flux mais c'est le واحد دار عطانا مثلا واحد الكريدي ولا عطانا واحد الامبرا. Ça marche. Alors deuxièmement, il y a les cotisations sociales. Donc, les cotisations sociales, versement obligatoire des individus et des employeurs à la sécurité sociale destinée à financer la protection sociale. Ça marche. C'est la cotisation sociale, là, comme un exemple. C'est l'un des exemples qu'on bref. La protection sociale. Chez Mathélène. Oui? Oui, la CNSS. Donc, oui, la CNSS. Oui, généralement, la CNSS, c'est pour but de protéger donc les individus dans un plan social. Donc, premièrement, c'est un versement obligatoire. Donc, des individus, les employeurs, à la sécurité sociale. Donc, à la sécurité sociale, donc, quel que soit l'administration. Donc, le but d'elle, c'est pour financer la protection sociale, et pour financer le service. Donc, là, l'impôt, la cotisation sociale, donc, il y a une différence. Donc, une différence, premièrement, la contrepartie, sans contrepartie, ou une contrepartie, liée à la protection sociale. Ça marche? S'il vous plaît, j'ai une question, faites le stade.
Alors, donc, j'espère que jusqu'à maintenant, le cours il est clair. Donc, j'espère que les points, les traités, normalement. Donc, s'il vous plaît, et là, quand j'ai problème, il faut poser la question. Il faut poser la question. Ça marche? Alors, le premier point, donc, on va voir le bref aperçu historique de l'État. Donc, on va voir l'État dans une vision mercantiliste. Donc, qui fait autrement? Et voilà, je peux outenique. Donc, qui fait les mercantilistes qui échauffent l'État. Voilà. Alors, ils ont défini la richesse d'un pays. Donc, premièrement, les mercantilistes, l'État garantit de la richesse d'un pays. Donc, voilà, c'est l'objectif de l'État autrement. Donc, rien à titre qui attaque déjà l'idée chez les régimes de paix. Voilà. Alors, ils ont défini la richesse d'un pays fonction de sa capacité à accumuler des métaux précieux, à savoir l'or et l'argent. Donc, imaginez, donc, mercantiliste, que la fonction principale de l'État, c'est pour collecter, là, pour accumuler les métaux précieux, à savoir l'or et l'argent. Alors, pour les mercantilistes, donc, on a aussi le commerce international, donc, pour les mercantilistes, l'échange international est un jeu à somme nulle. Donc, pour les mercantilistes, okay. Alors, pour les mercantilistes, l'échange international est un jeu à somme nulle. Donc, c'est-à-dire quoi? Fais-je qu'un goût le jeu à somme nulle, c'est un terme macroéconomique. C'est un terme macroéconomique et plus précisément la théorie de jeu. Donc, quand vous la théorie de jeu, un jeu à somme nulle, le jeu avec deux joueurs, un qui est واحد كيربح ما يمكنش يربح بجوج ولا يخسر بجوج دونك واحد فيهم ضروري يخسر واحد يربح دونك هادو كيتسموا في لي كاتيجوري ديال لا تيوري دو جو دونك هذا سي ان اوتر كو في لا ميكرو ايكونومي دونك كيتسموا بلي جو اسوم نول Donc pour les mercantilistes, l'échange international est un jeu à somme nulle. C'est l'un gain, l'autre perte. Donc, il a tout que pour les mercantilistes, l'échange international, le commerce international en général, c'est un jeu à somme nulle. Donc, il y a un pillé, la transaction d'être mais une juge d'y pillé, raha darour, ou l'autre, qui khsar. C'est notre cas. C'est notre cas, malheureusement. Voilà, l'un gagne, l'autre perd. L'enjeu pour le pillé est de gagner un solde commercial positif. Donc, le défi d'y piller, donc participer le commerce international, c'est pour avoir une balance commerciale là, avec un solde positif. Donc l'État doit tout faire pour favoriser l'apparition de ce solde. Donc, Bechtenet garantit le solde positif et a plusieurs instruments. Des instruments, ou des instruments. Premièrement, freiner les importations par les droits de douane. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, radir une augmentation des droits, l'IDD, donc les droits de douane. Donc, pour bloquer l'objectif de l'augmentation des droits de douane, l'augmentation, pardon, les droits de douane, c'est un instrument fiscal. Ou l'augmentation, la diminution des droits de douane qui est oublié politique fiscale. Il y a les politiques fiscales. Donc, politique fiscale, donc de quoi? Politique fiscale, ce n'est pas de relance, c'est une politique fiscale de rigueur, donc de stabilisation. Donc, politique fiscale, une augmentation des droits de douane entraîne une diminution des importations. Donc, entraîne une diminution des LM, en général. Le deuxième instrument, donc nous le défi de l'État. Donc, que l'État d'or de l'accumulation des métaux précieux, à savoir l'or et l'argent. Que donc selon une vision mercantiliste ou selon une approche mercantiliste, donc l'échange international est un jeu à somme nulle. Est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il y a un pays qui
Alors, l'enjeu ou le défi d'y aller le pays participer au commerce international, ou une balance commerciale avec un solde positif. Donc, pour qu'il le solde positif, il y a plusieurs instruments qui sont utilisés. On met bien les instruments. L'instrument le plus important est freiner les importations par les droits de douane. Donc, c'est un freinage des importations à travers les droits de douane. Donc, une augmentation des droits de douane entraîne une diminution des importations. Ça marche? Le deuxième instrument, c'est de favoriser les exportations en baissant les coûts de transactions internes. En baissant les coûts des transactions internes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire favoriser les exportations, c'est-à-dire un exporter bzef, ou avec des coûts des transactions internes faibles. C'est-à-dire, le produit, l'exportation, on a pris une très courte détail, l'exportation, c'est l'indice de mesure ou l'unité de mesure de l'exportation, c'est le FOB franco au bord. Ou la manière de calculer, la modalité de calcul de le FOB. Vraiment, 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 le stade initial le lancement jusqu'à le stade final. Donc, plus il est que les coûts de la transaction sont très importants, il est que les coûts de la transaction sont très importants. Donc, le prix de l'importation, la rente des exportations, pardon, qu'est-ce qu'on plus faible. Donc, la rente de l'exportation, qu'est-ce qu'on plus faible. C'est-à-dire, pour favoriser les exportations, la favorisation de l'exportation est insuffisante. Donc, la favorisation de l'exportation est insuffisante. C'est-à-dire quoi? Il faut favoriser les exportations et aussi baisser les coûts de transactions internes. C'est-à-dire, dès que le bien qui est sur l'économie d'Yali, l'économie d'Yali, avant d'exporter, il faut que les coûts, ou autrement, les coûts de transport de la transaction, ou les coûts, quel que soit de transport, quel que soit de transaction, donc faites le cas, il faut que l'intérieur, mais je fais l'extérieur. Une fois qu'il faut, la frontière, une fois qu'il faut, le hudud, qu'il faut le bloquer. يعني كتولي امبورطاسيون صافي يعني داك لوكو كيولي دخل على الامبورطاتور دونك هنايا يعني تنقصوا من التكاليف وي ديال اكزاكتومون المعاملات الداخليه باش نعزلوا ليكسبورطاسيون الصادرات وي اكزاكتومون بوركوا حيت جينيرالمون لو بروفي ديال واحد ليكسبورطاسيون شنو هو Le profit de l'exportation, c'est la différence entre les recettes totales de l'exportation, c'est-à-dire le prix DLH, DLH de l'unité, fois les quantités maintenant exportées. C'est le chiffre d'affaires réalisé à travers l'exportation. Donc, pour estimer le profit, c'est le coût total. Le coût total fait, à titre d'exemple, les coûts de transaction, les coûts de transport, etc. Donc, il y a le coût total très important. Donc, il y a le coût total très important. Le profit DLH des exportations, qu'est-ce que Donc, c'est-à-dire, on va réduire les quantités, mais on va augmenter d'une forte proportion le profit. C'est-à-dire, l'augmentation, la favorisation des exportations, seule est insuffisante. Donc, ce n'est pas favoriser les exportations, mais il faut faire baisser les coûts de transaction au niveau interne. Ça marche? Alors, à retenir que selon les mercantilistes, l'État, pour une fonction principale, il y a l'accumulation des métaux précieux, à savoir l'or et l'argent. Les mercantilistes sont généralement d'accord avec l'échange ou le commerce international. Pardon, qui est considéré le commerce international comme un jeu à somme nulle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la transaction ou l'échange international entre les deux pays, c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que si un pays gagne, l'autre perd. Donc, il a un gain, l'autre perd. Donc, la deuxième idée, que pour les mercantilistes, donc, le défi de pays, c'est de garder ou de dégager le solde commercial positif au niveau de la balance commerciale.
Donc, pour garder had le solde, pour dégager had le solde commercial positif, on a plusieurs instruments. Au moment de les instruments, ils ont proposé deux. Premier instrument, le freinage, freiner les importations par les droits de douane, c'est-à-dire une politique fiscale restrictive. Une augmentation des droits de douane entraîne une diminution des importations. Deuxième instrument, c'est de favoriser les exportations en baissant les coûts de transaction, à savoir, c'est-à-dire l'augmentation du profit donc à travers les exportations et il ne dure pas principalement à l'augmentation des quantités ou bien à l'augmentation des quantités exportées, mais elle dure essentiellement à la baisse des coûts de transaction au niveau intérieur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire pour garder avec le solde commercial positif, ce n'est favoriser les exportations. Et en même temps, on casse les coûts de la transaction au niveau de le territoire économique qu'on a, au niveau intérieur. Ça marche? Donc, les principaux auteurs, ce n'est pas important pour nous. Voilà. Alors, jusqu'à maintenant, s'il vous plaît, Oshane, comme une question. Est-ce que vous avez bien compris? S'il vous plaît, pas de questions. Bien. Alors, on a dit que l'objectif d'y aller les parties, l'objectif d'y aller les parties, c'est pour avoir ouais, le bref, yeah, quoi, de bref histoire. Et là, comment les théories économiques ou là, comment les courants économiques ou là, les courants théoriques, ils ont traité yani, qui fait ce qui chauffe l'État autrement, qui fait ce qui chauffe l'État. Alors, selon les mercantilistes, l'État ou la nation en général, la fonction principale d'elle, c'est pour accumuler les métaux précieux. Donc, les métaux précieux, on a des instruments ou des méthodes pour les accumuler, c'est à travers le commerce international. Donc, le commerce international, toujours, ils ont le considéré comme un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que c'est un pays gagne, l'autre perd. Et pour favoriser ou pour dégager pour garder avec le commerce international au niveau disons favorable, on dégager un solde commercial positif. Ou dégager avec le solde commercial positif, on applique plusieurs instruments. Premier instrument, le freinage des importations par les droits de douane. La politique fiscale restrictive ou la politique de protectionnisme, autrement. Donc, une augmentation des droits de douane entraîne une diminution des importations. Et deuxième instrument, c'est de favoriser les exportations en baissant les coûts de transaction. C'est-à-dire que pour dégager le solde commercial positif, la favorisation des exportations est insuffisante. Et il faut favoriser les exportations et en même temps faire baisser donc les coûts de transaction. Au niveau, bien sûr, interne. Et là, sur la charte, que les exportations qui ont été mesurées par le FOB, donc le FOB, généralement, c'est le prix à l'intérieur, yani jusqu'à la frontière. Yak. Le CAF, c'est la distance entre les deux frontières et l'extérieur, dès le pays. Donc, les importations, qui diront la différence, justement, CAF-FOB, autrement, le chiffre, la balance des paiements, la balance commerciale. Donc, c'est pas la peine de rentrer. Ça marche? Alors, deuxième courant, Romain les physiocrates. Les physiocrates. Donc, je dirais, le père fondateur des les physiocrates, c'est François Quinet. Donc, François Quinet, généralement, la richesse pour lui, c'est l'agriculture, c'est la terre, autrement, c'est tout ce qui est naturel. Tout ce qui est naturel. Donc, l'État n'a aucun rôle à jouer dans la constitution de la richesse. Donc, l'État doit simplement garantir l'ordre social. Donc, selon les physiocrates,
كيقولوا باللي انه الدوله ما عندها حتى دور باش انها دير لنا لا ريشيس. ليتا الدور ديالها الوحيد هو لورد سوسيال، c'est-à-dire autrement donc l'intervention ils ont avec l'intervention ou le non intervention pardon de l'État dans tout ce qui est économique. Donc le rôle de l'État doit se limiter juste à l'ordre social, donc juste pour garantir la protection sociale, pour la sécurité sociale ou faire les missions à caractère social en général. Ça marche? Alors généralement, il y a vraiment l'idée ou la partie qu'il y a plusieurs courants qu'on peut traiter, à savoir donc les classiques, les néoclassiques, après les marxistes. Il y a la partie de la crise 1929, donc qui fait la naissance ou bien qui fait le connaître avec le François, pardon, John Maynard Keynes. Donc le courant keynésien en général. Alors l'intervention, donc on a arrêté les physiocrates. Donc les physiocrates, donc le père fondateur de l'homo François Quinet. Donc le rôle, l'État pour lui n'a aucun rôle à jouer dans la constitution de la richesse, et l'État doit se limiter, l'ordre social. Donc l'État ça se limite l'ordre social, pas plus. Alors, donc, il a gagné l'État qui s'est l'ordre social, c'est-à-dire qu'il a gagné le non-interventionnisme de l'État dans l'ordre économique. Donc, l'État n'a pas appliqué les politiques économiques. L'État gendarme, c'est Mohamed? L'État gendarme. Exactement, c'est l'État gendarme. Ou le contraire de l'État gendarme, c'est l'État de providence. L'État de providence. Donc le terme grec, le terme convenant de l'idée, c'est l'État gendarme, exactement. Donc que l'État, il doit se limiter à l'ordre social. Alors, on a resté, donc, on a fait l'idée jusqu'à la crise de 1929. Où on a généré le dysfonctionnement de l'économie grâce à l'idée. Grâce à l'idée, il y a le nom intervention de l'État. Donc, il est là. Donc, on a fait l'idée. Donc, les classiques aussi, ils ont fait l'accord à l'idée. Donc, la loi de Jean-Baptiste Say, la loi du débouché. Donc, l'offre crée sa propre demande, c'est-à-dire que l'équilibre en économie se réalise automatiquement sans intervention de l'État. Donc, l'équilibre, le marché des biens et services, le marché du travail, etc. Donc, l'analyse classique macroéconomique, au niveau de la macro S2. Donc, il fait qui est réalisé le marché des biens, pardon, l'équilibre, le marché des biens et services, qui fait qu'il est réalisé l'équilibre pour les différents marchés en général. Mais après la crise de l'FOTSMS2, il y a un problème. Donc, pourquoi? Donc, on a dit que l'équilibre se réalise, se maintenir donc de façon automatique, mais après on a subi la crise. Donc la crise est due principalement à quoi? Elle est due principalement à l'absence de l'État dans l'ordre économique, c'est-à-dire que l'État elle doit intervenir. Autrement, le courant keynésien. Alors dès lors, l'État a un rôle important à jouer pour prévenir les crises, c'est-à-dire pour prévoir donc les crises et après relancer donc des politiques économiques, etc. Donc, on crée le cours, il faut même dire qu'est-ce qu'on veut dire par ça. Donc dès lors, l'État a un rôle important à jouer. Donc le rôle important, c'est pour prévenir ou pour prévoir les crises et pour relancer les économies après des catastrophes financières. C'est-à-dire quoi? Pour relancer l'économie après des catastrophes financières, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'application des... Investissement. Non, ce n'est pas... Monsieur, vous donnez l'investissement. Oui, la
كاينز ملي كيهضر على غولونسمون ليكونوميك كيهضر على لانفيستيسمون Oui, exactement, سون oui, ان بار. exactement. Yani le relancement de l'économie à travers l'investissement, la par voie de l'investissement. Mais en général, donc pour relancer l'économie, on applique ce qui s'appelle les politiques conjoncturelles de relance. Les politiques conjoncturelles de relance, à savoir les politiques monétaires de relance et les politiques budgétaires de relance. Donc le Keynes, l'investissement public, ou l'investissement en général, c'est une politique, je dirais, budgétaire de relance. Ce n'est pas une politique monétaire, c'est une politique budgétaire de relance. Par contre, la diminution de taux d'intérêt, la diminution des taux d'intérêt, c'est une politique monétaire de relance. Donc, une diminution de taux d'intérêt entraîne une augmentation de l'investissement privé. Donc, l'investissement privé, là, tu auras qu'une forme bien investissement privé ou investissement public. L'investissement public, il dépend de la décision de l'État. Donc, il dépend de la décision de l'État. Autrement, au moins, les dépenses de l'équipement. Les chefs, les finances, S4. Mais l'investissement privé, il dépend de quoi? Il dépend de taux d'intérêt. Donc, il dépend de taux d'intérêt. Il y a la variable d'ajustement. Dès que je laisse la fonction de l'investissement en général, quand tu as tu vas aller avec quand? Donc, I, la macro, est égal à quoi? Est égal à I0, qui est le cas de E0, ou la E bar, c'est-à-dire il est exogène. Il y a deux variables d'ajustement, ou il y a deux variables qui sont faites. Plus, واحد درت البارطاج سي محمد oui j'ai partagé qu'est-ce que vous croyez واش كيبان لكم ليكرون ولا لا s'il vous نو ما تتبانش plaît qu'est-ce كيبان لي نو والو ما كانش البارطاج j'ai partagé apparemment qu'il y a un problème ok on a de partager alors j'ai dit Mziane Non, mais bien voilà. Oui, d'accord. Ça va aussi. Alors, l'investissement, j'ai dit qu'elle fait deux types, investissement privé, investissement public. Et zéro, la I bar, d'accord, l'investissement public, il dépend de la décision de l'État, il dépend de dépenses d'équipement, les dépenses d'investissement. Par contre, l'autre investissement, c'est un investissement qui dépend de taux d'intérêt, une fraction. لا احنا خدامين في الكور ديال فينانس بوبليك الكورس ça marche alors donc n'a que AI donc mais il y a une erreur faite d'écriture je n'ai l'erreur généralement c'est une régression simple régression un modèle de régression linéaire simple l'explication de l'investissement par le taux d'intérêt. لا كوني ما كاينش عندنا هنا Hein? لا كوني Là, là. Attends, c'est un modèle de régression linéaire simple. On peut estimer l'investissement à travers le taux d'intérêt, donc variable explicative à expliquer. Voilà que le problème est l'écriture théorique. Donc, c'est un modèle théorique. L'écriture théorique, qu'il y en a moins. Pourquoi? Parce que la corrélation entre l'investissement ou le taux d'intérêt est une corrélation positive, négative. C'est-à-dire, Inverse. oui, une diminution des taux d'intérêt entraîne une augmentation de l'investissement privé. Un mal investissement public, il est indépendant à l'taux d'intérêt. Ça marche. Alors, je dirais que le rôle de l'État est très important, c'est pour prévoir les crises et relancer donc l'économie en utilisant, en mettre en œuvre des politiques. Des politiques conjoncturelles de relance, à savoir la politique monétaire de relance et la politique budgétaire. Et donc, après, bien sûr, les catastrophes financières ou les catastrophes financières, à l'instar de la crise du subprime. Qu'est-ce que ça? Donc, bref, l'État a le rôle de régler l'économie et veiller au bon fonctionnement du mécanisme de l'économie. Donc, le bref, l'État. Donc, il doit intervenir pour régler l'économie et garantir le bon fonctionnement des mécanismes de l'économie, c'est-à-dire le bon fonctionnement du marché. Pour mieux appréhender, pour mieux comprendre le rôle de l'État dans l'économie,
sa légitimité ainsi que ses moyens d'action. Nous allons voir successivement le rôle économique de l'État. Donc, je vais vous montrer le rôle de l'État dans l'économie. Donc, et aussi ses moyens. Donc, je vais les moyens de l'État, ou je vais les actions, etc. Donc, les autres chapitres, les régions, les autres parties, Yannick explique au Nadj. Alors, le rôle économique de l'État selon les classiques et les keynésiennes, la justification de le rôle d'État, c'est-à-dire que le rôle de l'État, que c'est l'intervention dans l'économie pour garantir avec l'équilibre, pour garantir la stabilité, etc. Donc, il faut justifier pourquoi l'État doit intervenir. Donc, il faut justifier à l'État, elle doit intervenir. Donc, la justification du rôle de l'État. Ça marche? Donc pour mieux appréhendre, on a donc la justification du rôle de l'État dans l'économie, enfin les instruments de l'intervention étatique. C'est-à-dire, il a justifié le rôle. Donc il faut voir les instruments, les cadres de l'économie. Alors, on a deux courants, donc le courant libéral et la doctrine interventionnisme. Donc, ça a été discuté là-bas. Alors, les deux parties. Donc, le courant libéral et l'action économique de l'État. Parce qu'en gros, le courant libéral, c'est les petits dames, les classiques. Donc, le courant libéral, c'est à travers, non, partir les classiques, etc. Donc, conformément à la doctrine libérale élaborée au XVIIIe siècle et XIXe siècle, le rôle de l'État est le maintien de l'ordre public. Donc, c'est pour maintenir l'ordre public. Donc, selon le courant libéral, la réalisation des missions régaliennes, il y a tout ce qui est, je dirais, protection sociale, les sécurités sociales, c'est la conception de l'État gendarme. Donc, il y a l'État gendarme. C'est-à-dire, fais-je État gendarme, c'est-à-dire l'État, alors qu'il y a social, qu'il y a l'ordre social. L'ordre économique, là. Donc, oui, exactement. C'est-à-dire que l'ordre public, il y a de l'ordre public compris la protection sociale et la sécurité sociale. Donc, selon cette conception, le budget de l'État avait pour mission de financer la force publique. Donc, il a mis l'idée. Le budget de l'État ou l'ensemble des recettes de l'État, bien sûr, différence dépenses, donc le budget général de l'État, c'est pour financer la force publique, c'est-à-dire financer la force publique. Autrement, la justice et aussi donc c'est-à-dire le militaire, etc. Donc les dépenses militaires. Donc chez les de la partie. Donc toute autre dépense publique, surtout dans le secteur économique social, ne répondait pas selon les classiques au rôle de l'État. Donc il agit là, il a mis à l'heure de l'État, on a fait le maintien de l'ordre public et la réalisation des missions régaliennes, c'est-à-dire avec le budget de l'État, réaliser l'objectif, le maintien de l'ordre public. Autrement, état de gendarme. Ça marche? Donc, c'est-à-dire les dépenses publiques faites le secteur économique, donc le secteur économique, il ne répond pas à son rôle. Mais qui l'objectif de là. Ça marche? Est porté à atteindre à la liberté individuelle et à l'initiative privée et aux lois naturelles de l'économie de marché. Voilà les lois naturelles, c'est-à-dire c'est la fameuse loi de débouché. C'est-à-dire que le marché est équilibré autrement. Ça marche? C'est-à-dire il faut laisser faire. Et après, le marché s'équilibrait donc bien sûr par l'ajustement des prix. Donc les prix, le marché est en équilibre. Toujours la demande égale à l'offre. Voilà qu'il y a des crises que toujours, une fois, l'économie qui qu'on nous dit, des conflits, ou là, qui qu'on a des situations de déséquilibre. Ça marche? Alors, ainsi, le courant libéral au classique prend le libéralisme économique et l'abstention de l'État dans l'économie
Donc, il faut promouvoir le laisser-faire et le laisser des marchés autorégulés par le biais de la main invisible, bien sûr, de la main invisible chez Adam Smith. Ça marche? Donc, de la main invisible chez Adam Smith. Donc, l'idée ou le paragraphe, que le courant, elle est contre l'intervention de l'État. Il faut libéraliser l'économie, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire laisser faire. Donc, l'idée que l'économie ou les marchés qui est régulé par le biais de la main invisible. Donc, la main invisible d'Adam Smith. Donc, c'est une idée très, très connue d'Adam Smith. Donc, l'idée principale ou à retenir, que le courant libéral, donc, il est avec le donc il est contre l'intervention de l'État dans l'ordre économique ou le secteur économique de l'État. L'État doit maintenir seulement à l'ordre public et aussi à la réalisation des missions régaliennes, autrement la conception de l'État gendarme. Donc l'ordre يعني انا économique. لسه ما كنتش دخلت في لي مارشي، دخل غير شي حاجه اللي هي كتسوكيليزي يعني هذاك لو مارشي مثلا، ما تكونش ديك المنافسه، ولكن كيبقى التدخل ديالها حدو في يعني شي حاجه كنسمي حنا سوكيليتي يعني الامن ولا شي حاجه، ما تدخلش في لي مارشي. Exactement. فاش كنقولوا ليكونومي ليكونومي كما كتعرفوا راه لو ديكوباج ديال ليكونومي كنديرو الا درناه بار مارشي راه كيعطينا بليزيور مارشي، دونك مارشي دو بيان سيرفيس، مارشي دو ترافاي، مارشي دو كابيتو، مارشي مونيتير. دونك الا جينا على هاد لي مارشي كاملين خص الدولة ما تدخلش فيهم، دونك ما خصهاش مثلا دير لونكوراجمون ديال لومبلوا، ما خصهاش مثلا تبيسي لو طو دو شوماج، تخلي لو مارشي دو ترافاي، لوفر دو ترافاي، دوموند دو ترافاي تريغي راسو، يعني باغ شنو هو لا فاريابل داجيستمون ديال لو مارشي دو ترافاي هو لو سالير. Le bien et service aussi. Le bien et service, donc, fais-je qu'on goûte le bien et service, autrement, c'est la variable d'ajustement, ou la variable qui est l'équilibre toujours qui est réalisé avec le marché, ou le prix. Fais-je qu'on goûte le marché monétaire, autrement, c'est le taux d'intérêt. Donc, toujours fait les marchés, il y a une variable qui est une variable d'ajustement, il y a l'offre-demande, donc toujours qui est réalisé avec l'équilibre. Mais ce n'est pas le cas avec les autres courants. Donc, fais-je qu'on goûte les autres courants. Donc, ben, on a décrit. Donc, le courant libéral jusqu'à 1929, ben, on a une crise mondiale. A dit que la crise mondiale, c'était la principale raison qui a démontré qu'il faut que l'État doit intervenir dans l'économie et plus particulièrement dans le secteur social. Donc, pardon, dans le secteur économique. Donc, l'État drive l'économie. Et plus par au bloc sous le secteur économique, le secteur pardon économique, ce n'est pas à mettre dès l'intervention d'IA, et plus particulièrement le secteur économique ou l'ordre économique, mais seulement l'ordre public selon le courant libéral. Alors, on a les principaux courants ou les principaux pardon auteurs d'IA, le courant libéral, à savoir Frémont, Midman, Sargon, etc. Donc, c'est pas la peine. On a des idées principales. دونك نشوفوا خصنا دابا شنو خصنا خصنا نمشيو نشوفوا نقارنوها مع الـ مع الـ مع الـ يعني لوبوزي ديالها اللي هي لا دوكترين انترفونسيونيست ولا لانترفونسيونيزم. الوغ ليدي ديال لانترفونسيونيزم ولا فاش كنقولوا جينيرالمون لانترفونسيونيزم سي جون مينار كينز. سي جون مينار كينز. الوغ افيك لا كريز ديال 1929 لو موديل ليبرال بازي سور لو ليسي فير دوفوني limité. Donc, avec le modèle de le laisser faire des marchés, ben nous avons des limites. Donc, parce qu'il est Et vous devenu. pouvez me l'idée principale du courant libéral. Aïe. Alors, on a que le courant libéral, le rôle principal de l'État, qui est le rôle principal de l'État, هو انها تحافظ لنا على الاوردر بوبليك دونك لو مانتيان ديال الاوردر بوبليك اي اوسي لا رياليزاسيون دي ميسيون ريغاليان لا رياليزاسيون ديال لي ميسيون ريغاليان ا سافوار شنو هما دي ميسيون هما
la protection sociale et la sécurité sociale. Donc, هاد لي دو رول كيخليونا نسميوها l'état gendarme, qui est comme étant un état gendarme. C'est l'état gendarme. Donc, les dépenses d'ELHA, on a dit que les dépenses d'ELHA qui est limitée au juste ce qui est force publique et ce qui est justesse. Ça marche? Les dépenses publiques au niveau du secteur économique, mais qui est le rôle d'ELHA ou qui est juste d'or d'ELHA en tant qu'état selon l'approche libérale. Ça marche? Donc, à chaque fois que tu as de l'approche autrement, il faut libéraliser l'économie. Donc, l'économie, c'est le libéralisme de l'économie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les marchés, l'économie est équilibrée à ça. C'est-à-dire le marché des biens et services est équilibré à ça. C'est-à-dire l'offre des biens et services ou la demande des biens et services par voie de la variable d'ajustement des prix. L'ajustement des prix. Au niveau du marché du travail, c'est l'ajustement des salaires où il garantit l'équilibre le marché, c'est-à-dire entre l'offre de travail et la demande de travail. Et aussi, au niveau du marché monétaire, le taux d'intérêt où l'arbitrage, pardon, de l'équilibre entre l'offre de la monnaie et la demande de la monnaie. Ça marche? Donc, là, libre-échange, c'est Mohamed. Hein? Tabadul-hor. Là. فهاد الفكره وي وي فهمتك دابا فهمتك دابا شنو تقصد ستادير فاش كنقول لك وي وي يعني اون كونتكست ولا في الكوميرس انترناسيونال حيت لو ليبراليزم هو ضد ديالو هو البروتكسيونيزم واش هادشي اللي بغيتي تقول سي عبد الله وي داكشي اللي قصدت اسمع Ah, parce que c'est libre-échange, donc je suis là avec le commerce international, mais je ne sais pas si Bien. Alors, la doctrine interventionnisme de l'État dans l'économie, donc, c'est la doctrine, c'est la doctrine, qui est l'axe de l'oula. Donc, d'abord, c'est l'axe de l'oula. هذه كتقول لنا بلي ان الدوله ما خصهاش تدخل في ليكونومي يعني الدوله الدور ديالها كيحبس يعني الدور الوحيد ديال الدوله هي انها تليميتا في ما هو سوسيال في ما هو اجتماعي تحمي الناس توفر لهم لي سيرفيس سوسيال اكسيتيرا ياك وما خصهاش تدخل في لي مارشي ولا في ليكونومي اون جينيرال ما خصهاش تدخل في لو مارشي البيان سيرفيس ما خصهاش تدخل في لو مارشي دو ترافاي اكسيتيرا في لو مارشي مونيتير علاش حيت هاد لي مارشي فيهم سكي سابيل لا مان انفيزيبل ديال ادم سميث دونك هاديك لا مان انفيزيبل ولا لاجوستمون اون جينيرال لي فاريابل لاجوستمون كل مارشي عنده واحد الفاريابل لاجوستمون هو اللي كيخلي توجور ليكيليبر ما بين لوفر ولا دوموند الوغ لا كريز ديال 1929 ياك لا كريز ديال 1929 بينات لنا بلي ان هذاك لو كورون ليبرال اللي كيقولنا بلي الدوله ما خصهاش تدخل في الايكونومي راه بانوا عنده لي ليميت هذاك لو موديل ليبرال ياك بانوا عنده دي ليميت دونك دوفوني ليميتي بوركوا باسكو لا ايتالي سي ليميت نوتامون اون كريز دو سور برودكسيون كي ا في بلونجي لي مارشي بورسيير سورتو وول ستريت Donc, l'autorégulation des marchés n'a pas eu lieu. Donc, elle dit que la surproduction, les gars, donc, elle a certains marchés. Par exemple, le marché boursier. Donc, elle dit que l'idée de l'autorégulation des marchés, de le courant libéral, ça marche. Donc, c'est le cas. On est dans une crise. On est dans une crise de surproduction. La crise de la surproduction, donc pour la résoudre, il faut que l'État doit intervenir. Donc l'État s'intervient à travers ce qui s'appelle les politiques. Donc pour faire face aux retombées de la crise, donc lutter contre les inconvénients ou les conséquences de la crise, il fallait une nouvelle doctrine. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la crise de la doctrine keynésienne. Donc, il fallait une nouvelle doctrine pour légitimer l'action de l'État dans l'économie. Voilà. Donc, le père fondateur de la doctrine, la nouvelle doctrine de l'Ikatsma, le courant keynésien, la doctrine interventionniste, John Maynard Keynes.
Alors, John Maynard Keynes, comme vous savez, il y a un ouvrage qui est très important, très très important, la théorie générale de l'emploi et de l'intérêt et de la monnaie. Je pense qu'il fait trois parties, deux parties. Donc, avec ce que le juge, un, deux. Donc, quand il dit PDF, je pense qu'il a quelque chose à laisser ton compte. Donc, l'ouvrage, donc, fait l'ouvrage qui est bien que l'intervention de l'État en économie, elle est très, 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 très intéressante, elle est très nécessaire pour relancer ou là, pour résoudre les retombées liées à la crise, là, pour résoudre les conséquences obtenues liées à la crise. Donc, comment l'État doit intervenir et pourquoi l'État doit intervenir, c'est les questions les raisons de débat. إمتى Pourquoi? إمتى الإطار غادي يدير تاع السياسة ديال التقشف وإمتى غادي يدير الانفستيسمون؟ Exactement. دابا هذا هو الكيس هذه هي لا كيسيون اللي كدور في بالنا. امتى الدولة خصها تدخل بعدا وعلاش غتدخل والى تدخل اش من سياسة غتبع سامخ. دونك الى دخلت الدولة واش غدير اون بوليتيك دو ريستريكسيون ولا اون بوليتيك دو رولانس سامخ. دونك هادشي اللي غنشوفو في لا دوزيام بارتي. الوغ لا جوستيفيكاسيون Justification, rôle et moyens de l'intervention de l'État dans l'économie. Donc la justification, le rôle, les moyens. La justification, pourquoi l'État s'adresse, yani l'État s'adresse l'économie. Le rôle, le rôle de l'intervention. Deuxièmement, il a besoin de l'État s'adresse, ou le comment? Kifash ghadkhel ou chna huma les moyens de l'intervention de l'État fait de l'économie. Ça marche? S'il vous plaît, au chien de com, une question jusqu'à maintenant. S'il vous plaît, question. Ok, alors on continue. Donc premièrement, donc on a dit que la deuxième partie, un chauffe, la justification, le rôle, donc la pourquoi de l'intervention de l'État, donc le rôle de l'intervention de l'État, ou finalement les différents moyens, les différents instruments de l'intervention de l'État l'économie. Alors premièrement, A, donc la justification de l'intervention de l'État en économie. Donc il y a trois raisons derrière la justification, pardon, derrière l'intervention de l'État de l'économie. Qui n'est laissé dire l'esbeb, donc, les qui ont fait l'économie. Aouel Haja, que, Gnef El-Foutsimia ben, Adna, des déséquilibres sur le marché des biens et services. Adna, ou le déséquilibre. Qui m'a cassé à que le marché des biens et services. Le marché des biens et services en général, Adna deux courbes. Adna deux courbes. Donc, Adna l'évolution premièrement de quoi? L'évolution de la quantité produite. Donc, la quantité produite, la production Y en fonction des prix. Donc, on a la fonction de demande, ou là, pardon, la courbe de demande, et on a la courbe de l'offre. Alors l'équilibre, donc demande, ou l'antimura AD, aggregate demand, donc la demande globale, et AS,
Donc AS, Aggregate Supply, donc c'est-à-dire aggregate l'offre globale. Alors le point de l'équilibre c'est le point de l'intersection entre l'offre globale et la demande globale. Les cartes, on a deux conjoints, ou là deux points, les romains Y étoile et P étoile. Alors, fait le cas, il y a la situation du déséquilibre. Donc, il est qu'un adnali, pardon, il y a la situation d'équilibre. Il est qu'un adnali équilibre. Pourquoi l'État doit intervenir? Donc, marchage de train. Donc, il y a l'idée du courant libéral. Par contre, il se peut qu'on ait des déséquilibres. Fait le cas, c'est le train. Donc, le déséquilibre, il y a ma et qu'on ait à droite, il y a ma et qu'on ait à gauche. Fait qu'on ait déséquilibre, maintenant, مثلا à droite, donc lorsque AS, donc fait le cas, il a AS supérieur à AD, donc AS supérieur à AD, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'offre supérieure à la demande. Il est qu'elle l'offre supérieure à la demande. C'est quoi? Situation de quoi? Situation de surproduction. Qu'est-ce que c'est la surproduction? سي محمد سي اي شنو هي هذيك اي هذيك Aggregate supply ولا offre globale. جروب انا ما درتيش جي اي اسمع احمر اوكي سي محمد ممكن تعاود لينا هذيك اي سي يا اوفر جلوبال وهذيك لا دوموند وي جلوبال احنا مش احنا اسمهم بعد غير سميت او دي نعم سي عبد الله نعم غير سي واد او او دي اخر او دي هو باش معروف هاد لاكورد هادي وي ولكن هاد لو موديل كيتسمى بلو موديل اي اس دي. اي احنا مازال ما وصلناش هاد لونغ دي لا لا خلاها بلا ماشي هكا اون لو موديل هاد زعما هاد لو موديل في قرنا في ماكرو اون اس 2 كيتسمى بلا موديل اي اس دي ابخي لو باساج من اس ال ام اس ال ام كولون هو كونفيرج هذا اس ال ام لافر كولون ديال كونفيرج ليكيليبر دو لا دوموند يلا اوكي نديرو لي تيرم لي كو فو فولي ليسونسييل هو انا نفهم. Donc, la courbe croissante est à l'offre. C'est bon, mais donc, tu as oublié l'explication de l'autre tableau. Finalement, Un tableau, ma femme, le graphe. Ah, le graphe. Ok. Donc, que la courbe croissante, c'est l'offre globale. La courbe décroissante, c'est la demande globale. Donc, il a que l'intersection entre l'offre globale et demande globale, alors on a dit que l'offre globale est une fonction croissante des prix, la demande globale est une fonction décroissante des prix, c'est-à-dire plus que les prix diminuent, plus que la demande augmente. Par contre, l'offre, c'est l'inverse. Si les prix augmentent, l'offre augmente, c'est-à-dire que là, une corrélation positive. Par contre, la demande avec les prix, une corrélation négative. Alors, on a le point d'équilibre ou l'intersection entre l'offre globale et la demande globale, c'est-à-dire le point. Ou il y a l'idée d'IEL, les libéraux. Les chefs Donc, selon les libéraux, toujours qu'est-ce qu'on a de l'égalité, toujours qu'est-ce qu'on a de l'intersection, ou toujours qu'est-ce qu'on a de la position d'IEL, la position d'IEL économique, toujours qu'est-ce qu'on a. Par contre, après des crises, il se peut que l'économie se situe dans une situation de déséquilibre. Parce qu'un goulot de déséquilibre, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'offre globale est différente de la demande globale. Il m'a supérieur et mais qu'on est. Voilà, d'abord, tu fais un petit nid. Donc, il y a deux situations d'équilibre. Donc, had la zone had. Donc, had la zone. Had la zone, je n'ai pas. Il y a la demande, la courbe de la demande globale qui est une fougue, mais la courbe de l'offre globale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la demande globale elle est supérieure à l'offre globale. Il faut faire l'examen qui est un had d'exercice. Il y a le finance. Je suis tout. Ou l'autre partie, le contraire,
هي هذه فاش كيكون لوفر جلوبال كبر من لا دوموند جلوبال. فاش كيكون لوفر جلوبال كبر من لا دوموند جلوبال سي اون سيتوياسيون دو كوا. هذه سي اون سور برودكسيون. سور برودكسيون يعني نتجنا بزاف، نتجنا كثر من داكشي اللي عندنا فيه دوموند. يعني لوفر ديالنا كبر من لا دوموند. مثلا لا دوموند توتال مثلا كتساوي 200، حنا نتجنا 400، دونك عندنا واحد لا سيغ برودكسيون ديال 200. سا مارش. دونك في هاد لوكا اشنا هي لا بوليتيك اللي كطيح في بالكم اللي نقدروا نديروها بوغ كون نيغاليز لوفر اي لا دوموند؟ سي اون بوليتيك دو رولونس باغ ديمينيسيون دي بري. دونك خصنا نديمينيو لي بري. واخا يكون عندنا الانتاج بزاف، اون فوا تهبط البري غطلع لا كونسوماسيون. سا مارش. دونك الا طلعت لا كونسوماسيون، دونك الا طلعت لا كونسوماسيون لوفر جلوبال ولا لا دوموند جلوبال غات اوغمونطا. دونك لا دوموند جلوبال غات زاد. دونك اون اوغمونطاسيون دو لا دوموند جلوبال جوسكا. دونك بحال كنعاودو نغوتورنيو ليكيليبر، بحال كنعاودو نرجعو ليكيليبر اللي هو حيت شنو كان عندنا؟ كان عندنا نقص في لا دوموند. دونك اون ديمينيسيون دي بري كتخلي لا دوموند انها تزاد، فهاد كنطوطيو اللوكا او لا دوموند جلوبال اي تيغال الوفر جلوبال. دونك هادي هي لا بوليتيك نورمالمون اللي خصنا نديرو في هاد لوكا ديال لا سور برودكسيون، يعني اون ديمينيسيون دي بري. سا مارش. هذيك جوست دي زيكزومبل، انا كنعطيو غير دي زيكزومبل باش ناخدو ديك لا ريفليكسيون ايكونوميك. لا دوزيام سيتوياسيون ديال ديزيكيليبر شنو هي؟ هي لوغسكو لوفر جلوبال سوبيريور على بوغ باردون بوغسكو لا دوموند جلوبال. دونك هادي سي دي. لوغسكو لا دوموند جلوبال سوبيريور على لوفر جلوبال. فاش كتكون لا دوموند جلوبال سوبيريور على لوفر جلوبال سيتادير كوا؟ C'est-à-dire que la production est là. Donc, les biens sûrs qui livrent l'économie, je dirais presque, ma goulouche rare, mais la quantité est faible. Donc, la demande est là. Donc, une fois les vendeurs maintenant nous chauffent la demande Z, résident les prix. Une augmentation des prix, générale des prix, c'est quoi? C'est l'inflation. Donc, faites le cas qu'un goulou, une situation inflationniste. Voilà. Alors, il a là tout que le déséquilibre le marché des biens et services, à derrière, le marché ouahdakhdinaire, comme exemple, qui a deux situations. Donc, il y a une situation d'inflation, les kaina à. Il y a un marché bien droit à gauche, à la laisse. Ou la situation de l'khara, il y a la surproduction. Voilà la surproduction. Donc elle dit à la gauche, c'est la droite, pardon, c'est la droite, la droite. Voilà. Alors Hada, donc un petit exemple à la ce qu'on est. Donc Hafin Bdina كان نقولوا بلي ان عندنا واحد الفاريابل اجستمون ديال في لو مارشي بيان سيرفيس توجور راه دائما عندنا ليكيليبر. بار كونتر ابري اون كريز لقينا في لا كريز ديال 1929 كعندنا اون سيتوياسيون دو سورپرودكسيون، يعني كو لوفر جلوبال اي سوبيريور لا دوموند جلوبال. هنا اي فو كو ليتا دو انترفونير. علاش ليتا غتدخل؟ سي بور اون ديفيسيونس دي مارشي. هي لا ريزون الاولى اللي شفنا في لا جوستيفيكاسيون دو لانترفونسيون دو ليتا، la déficience du marché. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a le non-fonctionnement dans le marché. Il y a le dysfonctionnement dans le marché ou le déséquilibre. Alors, on va voir ce qu'il y a dans le cours. Alors, les déficiences du marché. Donc, le marché ne fonctionne pas toujours de façon à sauvegarder les intérêts de tous les agents, à assurer sa survie et éviter des crises. Donc, le marché... ما كيبقاش دائما ما كيخدمش دائما في يعني في لو بون سونس، يعني ما كيخليناش دائما يعني ما كيسوف غارديش لانتيري ديال كاع لي زاجون ايكونوميك، ما كيبقاش دائما اوترومون اون ايكيليبر. سي بوركوا ليتا دو انترفونير. هادي لا بروميير ريزون كو خاص ليتا تدخل باش انها تغاردي لانتيري كومون، لانتيري المنفعه العامه. دونك لا سيتوياسيون ديال لانفلاسيون اللي حنا فيها دابا. Donc, il a dit que le pouvoir,
le pouvoir d'achat des ménages. Donc normalement, c'est de l'aider. Il faut que l'État doit intervenir face à la situation. Il y a une macarade des subventions les ménages. Il y a une macarade des subventions à la matière les produits les cacheries les ménages et yani, quotidiennement yani les hommes qui achètent des moules hein qui achètent des zeds qui achètent des etc. Donc à les produits les cacheries qu'on a sont normalement subventionnables. Le pétrole puisqu'il est lié à l'activité principale c'est subventionnable. Pourquoi? Parce que nous allons avec l'intérêt commun, parce que nous allons avec le bienfait général. Donc, je vais garder le pouvoir d'achat ou la stabilité d'elle. Alors, il y a la première raison de l'intervention de l'État. C'est pourquoi? C'est pour garder le bon fonctionnement du marché. C'est pour garder le bon fonctionnement du marché. Qui dit bon fonctionnement dit éviter les crises. Dit éviter les crises. Ça marche? La deuxième raison, c'est quoi? C'est l'existence des biens collectifs. Alors qu'il m'a que au côté des biens privés, quels sont les biens publics? Donc l'intervention de l'État, c'est pour fournir les biens publics ou pour fournir des services, les minimum, les services non marchands, autrement. Donc à côté des biens privés, qui sont l'objet de l'économie marchande. Donc voilà l'objet de l'économie marchande. Parce que l'économie marchande, c'est quoi? C'est les biens privés. C'est-à-dire les biens produits par les sociétés non financières. Donc comment les biens privés? Donc les marchés qui se gratuitement. Donc ce sont marchands qui se un prix. Est-ce que tu m'as s'il vous plaît? Oui, ça c'est Oui. bien. Marchand, mais ça. Oui, donc alors, fais-je qu'on goûte le bien privé, c'est-à-dire les biens, les entreprises en général. Donc, les hommes ont un prix ou les hommes marchands le marché. Donc, il existe des biens dits collectifs au public qui ont les caractéristiques suivantes. Donc, puisque, bien, pardon, au côté des biens privés, on a des autres biens qui sont des biens publics. Ça marche? Une fois. Donc, c'est un exemple, là, les biens privés. Avec exemple, maintenant, l'éclairage public. Maintenant, c'est un bien public. Ça marche? Avec maintenant, un autre exemple. Les biens publics. Les biens, on a réussi à avoir touchable. Les mecs touchables, il y a des services. Les sociétés qui servent de quoi le Ça ne là juste pas. Donc, les détails, juste pas. Mais généralement, c'est un bien public. C'est à l'ordre de l'État. Donc, il y a des services. Les sociétés en les général. infrastructures, on peut rentrer les Oui, infrastructures, faites la les infrastructures aussi. Bien, un très bon exemple. Bien, au moins les infra oui, les infrastructures, c'est un très bon exemple. En fait, le cas, les infrastructures, donc généralement, donc ce sont des exemples des biens publics. Donc, infrastructures, mesela, donc ce sont des biens publics. Les des services, un bien non touchable. Donc, bien non touchable, autrement, c'est service. Ça marche. Alors, la deuxième raison de l'intervention de l'État, l'existence des biens publics. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il faut que l'État garantit ou la fournir donc les biens publics. Il faut que l'État fournir donc les biens publics, à savoir l'éclairage public, les infrastructures, etc. Ça marche? يعني لي ماشي اللي كت الصفقات اللي كديرهم ليطا اللي كت تحت الوصاية ديالها كتحكم فيهم Oui, كما كنا قبل كنا وي اكزاكتومون سيتادير فاش كنقولوا مثلا واحد الصفقه ولا اكسيتيرا دونك هادشي كامل سي بور انكوراجي واحد الحاجه دونك هذيك الحاجه هي ما كتكون غراتويت حيت هذيك الصفقه اون فوا كتعطيها يعني كتعطيها للبوبليك واخا كتبقى فيها لا مان ديال ليطا راه ايل سو بو انا كتخلص فيها واحد لا بارتي بور بينيفيسي هذاك لو سيرفيس ولكن داك لا بارتي ما كتكونش زعما توتالمون مارشوند شيني دونك كتكون فيها يا اما كازي غراتويت يا اما كتكون غراتويت En tout cas, qu'est-ce que c'est bien public ou qu'est-ce que c'est service public, service non marchand entre hommes.
Alors, l'aggravation, la troisième raison, donc on est encore dans la justification de l'intervention de l'État, donc la troisième raison, il y a l'aggravation des inégalités sociales. Alèche, l'État se dit, donc pourquoi? Les inégalités sociales sont très graves. Fashkandou, les inégalités sociales, c'est-à-dire autrement, c'est la pauvreté, donc c'est la pauvreté, c'est les différences, les différentes personnes. Fouad la nation, la fouad le pays, etc. Donc, l'intervention de l'État pour faire le cas, c'est juste pour lutter contre les inégalités. Lutter contre les inégalités. Aucun l'examen, je pense qu'il y a une question. Elle a comment l'impôt, comment qui fait l'impôt, qui fait l'hier, autrement. Il lutte contre les inégalités sociales. Alors, le développement et l'expansion du capitalisme a laissé sur le pavé une multitude de personnes sans emploi. Donc, Feshkendu, elle a les inégalités sociales, l'aggravation. Je dirais que c'est une expansion du capitalisme. Rasmelia. C'est une expansion. Il y a une conséquence du capitalisme. Donc, il y a plusieurs personnes sans emploi, sans couverture de santé, sans couverture médicale, sans nourriture, ni logement. Donc, il y a ce qui est le cas de l'inégalité, la pauvreté, etc. Donc, ainsi que يعني l'expo. الدولة خصها تدخل باش دير لا ريبارتيسيون ديال الريشيس. Oui, exactement. Donc, on a la bonne répartition des richesses pour lutter contre les inégalités. Donc, elle dit que la question, les quand fait l'examen, je pense, ou la quand elle directement la marque. Donc, comment, qui fait l'hier, qui est lutté indirectement, ou l'impôt en général, qui fait l'impôt, qui est lutté indirectement contre les inégalités sociales. Alors, à votre avis. يعني الضريبة تطبق على الناس اللي لبست عليهم باش يكونوا Ah, exact, c'est la bonne réponse. Mesela, en tant que زعما شومور ou là مثلا le père ديالي ما عندوش علاقة بالدولة etc. donc ما كيخلص ليا غير والو ياك ou مثلا ou يعني في la région ديالنا مثلا كاين ولا في la région du sud généralement يعني كاين des personnes اللي هما pauvres etc. par contre فاش كنجي لكازا رابا كنلقى des personnes riches etc. ولكن كيخلصوا داك ليير. Donc هذيك la partie ديال ليير فين كتمشي؟ كتمشي à titre d'exemple, اللي عطينا غير خدينا غير كوم ان اكزومبل لي ديبونس ديكيبمون لي ديبونس دانفيسيسمون. راه كتجي الدوله كدير واحد المدرسه تما في طاطا مثلا ولا في واحد الفيلاج اكسيتيرا اللي فيها دي بيرسون بوفر. دونك هذيك المدرسه سي اون لوت كونتر لي زينيغاليتي ا ترافير لامبو. دونك هذوك الفلوس ديال ديك المدرسه منين جاو؟ جاو من لامبو. لامبو شكون خلصو؟ خلص واحد البيرسون اللي هو ريش. دونك شكون كيستافد من ديك المدرسه؟ واحد البيرسون اللي هو بوفر. دونك فوالا سي هادي سي ان اكزومبل ديال لا لوت ديال لي زينيغاليتي سوسيال ا ترافير لامبو. Donc, il fait avec l'impôt, il permet de lutter contre les inégalités sociales en général. Oui, c'est-à-dire à travers l'impôt, là, elle peut, ou bien elle essaye de faire l'équilibre entre les citoyens ou là. Oui, exactement. Yannick, on a l'impression Classe, généralement, les classes sociales, c'est-à-dire entre les pauvres et les riches. Oui, exactement, entre les classes sociales, les différences, les kainibinations, qu'on essaie de à travers l'impôt. Donc, les inégalités, c'est autrement, c'est la variance. Et donc, il faut la série, la variance très importante. La série, plus dispersible, il y a les inégalités. يعني فاش كنقول لك انيغاليتي لوكال جيني لوكا لوكا نورمال هو ايغاليتي ستادير كاين لي كلاس ديال واحد لا ناسيون يعني بحال بحال انيغاليتي ستادير كاينين دي زيكار ولا فاريون سي لا مويان دي زيكار دونك هذيك سي اوترومون فوالا الوغ ها كيفاش كتاناليزا دونك دوك لي زينيغاليتي او كومون لامبو بيرمي دو ريزودر دوك لي زيكار اوترومون ستاتيستيكمون. Ça marche. Ok.
كيبان لي الموظفين هما اللي كيخلصوا الضرائب، دوك دابا سالم كيتهربوا من الضرائب. حنا داكشي غنشوفوه في سميتو، غنشوفوه في لا كور دو لافر، فاش كيكونوا لي زامبو تري امبورطون، كيفاش ليفازيون فيسكال كيفاش كيعطينا اون ليسونس ديال ليفازيون فيسكال، تهرب الضريبي. J'espère que vous avez bien noté les parties. Mais là, l'État, il ne peut pas. Peut-être que c'est une égalité à 100%. Toujours, on a une inégalité sociale. Oh, toujours, on a un déséquilibre. N'importe quoi. Le marché des biens et services. Rien qu'un haoulou, avec le déséquilibre, il coule le minimum possible. Mais où l'équilibre n'existe pas. N'existe pas, mais la construction de l'équilibre qui est un flou. Oui, mais voilà. Alors, jusqu'à maintenant, donc, donc premièrement, je fais l'État. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par l'État? Après, je fais les différentes composantes de l'État, je fais l'État central, collectivité territoriale, organisme de protection sociale. Je fais comment peut-on estimer le poids de l'État, donc à travers deux indicateurs, le taux de prélèvement obligatoire, le poids des dépenses publiques. Donc, on a que le taux de prélèvement obligatoire, il y a la partie des prélèvements obligatoires sur le PIB, c'est-à-dire la somme des prélèvements obligatoires à le PIB fois 100, le poids des dépenses publiques, on a les dépenses publiques, elle a le PIB, c'est-à-dire chaque émetteur des dépenses publiques le PIB fois 100. Après, je n'ai qu'un de le taux de prélèvement obligatoire, on a l'impôt, donc on a cet inversement monétaire, reçu par les personnes physiques ou les personnes morales, donc il y a l'achat média ou l'achat le manawiya, donc par voie d'autorité, un tarif sulta, à titre obligatoire, il y a un ijbari et définitif, ou bien, bien sûr, sans contrepartie. Donc, bidon, bidon mokabil. Et ayant donc le but de l'impôt, oui. Les impôts. Les impôts, les 450 directs, sauf que les impôts, les vraiment, les qui sont les moins d'affaires, qui sont les d'arriver à la dame, mais que je me suis dit, je suis les 450 directs. Oui, exact, oui, exactement. Donc, généralement, les catégories des impôts, qu'il y a les impôts directs, les impôts indirects. Donc, on a les impôts directs, on qui sont par les contribuables directement. Les impôts indirects, la réalité, qui sont par les gros devoirs, voilà, qui sont payés par les contribuables. Donc, après, un chauffeur, le chapitre 2, le titre du chapitre 2, c'est les impôts. Donc, un chauffeur, exactement la définition des impôts, donc, qui fait que tu exécutes les impôts, etc. Donc, un chauffeur, les détails, le chapitre 2. Alors, j'ai fait juste un petit rappel à l'AHC pour les personnes les gens en retard. Donc, on a dit que l'impôt, c'est un versement monétaire. Donc, le payé où il y a recul par les personnes physiques et morales par voie d'autorité obligatoire, définitive, sans contrepartie spécifiée. Et bien sûr, pour but de couvrir les dépenses publiques. On a dit que la cotisation sociale, c'est un versement obligatoire des individus ou des employeurs. Donc, pour but de financer la protection sociale. Après, on a la conception de l'État selon les mercantilistes. Que les mercantilistes, que l'État a une seule fonction principale, il y a l'accumulation des métaux précieux, à savoir l'or et l'argent. Et aussi, que selon les mercantilistes, l'échange international, le commerce international est un jeu à somme nulle. Pourquoi? C'est l'un gain, l'autre qui est un dos, il y a une perte. Donc, RCL. Donc, le défi selon les mercantilistes, le défi de n'importe quel pays, c'est de dégager un solde commercial positif en appliquant plusieurs instruments, en appliquant plusieurs politiques. Politique où est le protectionnisme, c'est-à-dire le freinage des importations par les droits de douane. Deuxièmement, où est la favorisation des exportations, mais en baissant les coûts de transaction interne. Et après, j'ai les physiocrates. On a que le physiocrate qui chauffe que l'État. Donc, il n'a aucun rôle à jouer dans la constitution de la richesse. Donc, l'État, tout simplement, la richesse, c'est tout ce qui est naturel, c'est l'agriculture et la terre. Donc, l'État doit simplement garantir l'ordre social, c'est-à-dire l'État a le rôle ou la conception de l'État de gendarme. Donc, après, on a fait le courant jusqu'à la crise de 1929, où je voulais que le rôle de l'État est très important pour éviter et pour prévenir les crises, et pour réguler ou bien pour relancer autrement l'économie et garder le bon fonctionnement des mécanismes de marché.
Et après, on a discuté les deux courants, le courant libéral et le courant interventionniste. Donc, le courant libéral, que l'ordre ou l'État a pour un seul rôle, le maintien de l'ordre public et la réalisation des missions régaliennes, autrement c'est la conception de l'État-gendarme. Et la doctrine interventionniste, qu'est-ce que le contraire de la doctrine libérale, donc l'État doit intervenir pour, donc, pardon, que le modèle libéral de l'État ou le rôle libéral de l'État est devenu limité. Pourquoi? Après la crise de 1929, des dysfonctionnements pour certains marchés, on a subi une surproduction qui a impacté plusieurs marchés, à savoir tellement le marché boursier. Donc, pour faire face l'aide les retombées de la crise, il faut relancer l'économie, ou bien il faut appliquer, ou bien il faut mettre en œuvre les politiques de relance, quelle que soit politique. Bien sûr, quand on voit la politique de relance, c'est politique conjoncturelle, soit monétaire, soit budgétaire. Donc, on a que le père fondateur d'Elhad, le courant, ou John Maynard Keynes, ça marche. Et après, j'ai la deuxième section, qu'on s'intéresse à trois éléments. Les homas, la justification de l'intervention, pourquoi l'État doit intervenir, le rôle, pour quel rôle l'État doit intervenir dans l'économie, et finalement, si l'État décide d'intervenir, comment doit intervenir, qui fait genre donc quels sont les moyens utilisés, quels sont les instruments à suivre. Donc, la première question, il y a la justification que l'intervention de l'État a pour plusieurs raisons. Donc, parmi les raisons, généralement, donc parmi les raisons, on se trouve premièrement la déficience des marchés. Que les marchés ne fonctionnent pas toujours de façon, de façon pour garder ou pour sauvegarder les intérêts des agents. Donc, toujours, il y a le dysfonctionnement des marchés. Donc, c'est pour cela que l'État doit intervenir pour protéger l'intérêt commun et aussi assurer la fonction optimale des marchés ou là, la fonction optimale de l'économie en général. Deuxièmement, on a dit que l'intervention de l'État a pour deuxième raison qui est l'existence des biens collectifs. Donc, c'est-à-dire qu'aux côtés des biens privés, il y a des biens marchands, les biens pardon, non marchands, les biens collectifs, à savoir l'éclairage public, les infrastructures, etc. Donc, il faut que l'État garantisse l'existence des biens collectifs pour un intérêt commun. La troisième raison et la dernière raison, il y a l'aggravation des inégalités sociales. Donc, puisque les inégalités sont très graves, donc il faut que l'État intervienne. Parce qu'un goût inégalités sociales, ce sont généralement les conséquences du capitalisme. Donc, généralement, c'est la non-couverture médicale, c'est la non-nourriture, c'est le non-logement, etc., la pauvreté, etc., les maladies, etc. Donc, il y a quand même les inégalités sociales. Donc, l'aggravation des inégalités sociales. Donc, pose à l'État, donc, pardon, s'impose à l'État d'intervenir davantage sur les marchés, donc pour lutter contre les écarts existent entre les différentes classes sociales, ou là, les différentes les catégories sociales qui existent dans la nation, ou là, existent dans l'économie. S'il vous plaît, est-ce que vous avez une question faite de stade? Alors, on s'arrête ici. Voilà. On a ouvert la page 6. ممكن الى ممكن لي كيسيون بحال داك لا كيسيون اللي حطيتي قبيله لي كيسيون اللي ممكن يتحطوا في هذا الشابيتر يعني درتها ديزا فلاش بي او، مي صراحة هذيك الفكرة كتعجبني، ولكن ما زعما ما تفعلش.